Bien, ce que je fais, c'est que bien, je garde un petit peu du notariat parce que je célèbre encore des mariages, ce que je faisais. Je célèbre des funérailles et je suis maître de cérémonie parce que, grâce à toi, j'ai découvert que mon archétype financier principal, c'est la célébrité. Donc, j'ai le droit d'être on the spot. Et c'est là que je me sens le mieux sur une scène. Ben oui, ben c'est Dans ça. mon bureau, c'était ça. Je me sentais bien parce que j'avais un auditoire. Donc, Exact. donne-moi un spot, donne-moi une scène, donne-moi un auditoire. Moi, je suis en business, j'ai zéro trac dans la vie. Je capote là-dessus. Et donc, là, je fais des conférences aussi où j'explique ça aux gens. Et ma clientèle est fort diversifiée parce que je vais autant faire les jeunes de secondaire 4, secondaire 5 qui, justement, comme moi, j'étais à l'époque, ils cherchent qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie. Je leur montre de retrouver leur vraie nature, de dire qu'est-ce que tu faisais quand tu étais petit, quand tu étais petite, ben c'est là qu'il faut que tu ailles, puis écoute pas tes parents de grâce, fais pas comme moi. Après ça, ben ceux du cégep et ceux qui ont eu un travail, qui sont maintenant en recherche d'emploi. Tu sais, tu prends ta retraite, mais tu es trop jeune, tu veux bon. Fait que tout ce monde-là aussi. Puis bref, j'ai plein d'autres sujets de conférences aussi, mais en fait, toutes les conférences que je fais, c'est des conférences positives. Ou oui, ben, veux pas, je parle de mon parcours, mais qui peut en voyons-moi tu le dire, en inspirer d'autres, merci. Qui, tu sais, pour dire, ben, Caroline, moi, je suis la preuve vivante que sauter dans le vide, ça fait pas mal, je suis encore en vie. Mais il n'est jamais trop tard pour changer de vie. Ça, c'est un autre titre de mes conférences. Fait que, bref, c'est ça. Moi, je veux repartager aux autres mon parcours pour faire souffrir du temps au monde.